Hello les amis, c'est Super Rico. Bienvenue pour cet épisode numéro 36 de Vie ma vie de panda. Alors c'est parti, aujourd'hui nous sommes dans les Tarides du Sud et nous allons partir dans le marécage d'Aprofrange. Donc c'est parti. Ben voilà, hein, c'est plein sud. On y va, je vous montre la map. Je vous montre la map. Voilà, c'est plein sud. Et après, il faudra aller à gauche. C'est le petit point d'interrogation qu'il y a ici. Donc, on va suivre là. Et voilà, on va être bon. On va être bon, les amis. Donc, c'est parti pour une expédition. Je pense que ça va pas se passer sans accroc. Je pense qu'on risque de faire des mauvaises rencontres sur la route. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On va aussi en profiter pour... Ben pour récolter quelques herbes et minerais. Allez. Voilà une balade. On profite du soleil parce que le marécage d'Aprofrange, je suis pas sûr que ce soit aussi joli que les tarés du sud. Là, c'est beau, c'est encore l'été, on va dire. C'est l'été permanent. Mais ça va changer, quoi. Ça va changer grave. Donc on avance. Voilà, là on va voir bientôt. On va voir bientôt un fly. Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que. Oh, grosse bébête, elle est en colère, la grosse bébête. On va la calmer. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Gisement de fer. Ça aurait été dommage de passer à côté. Voilà, tranquille, hein, les amis. On voit du pays, on se balade dans ce paysage extraordinaire. Alors, très bientôt, nous aurons... Ce fly, McFly, gisement de fer aussi. Avec des vilains à l'horizon. On va se les faire, hein. Je ne peux pas encore lancer ce sort. Je suis en noir et blanc, je suis comme ça moi. Old school. Non, c'est la potion que j'ai bu. Ah, mais ça c'est cool, ça va nous faire... C'est une bonne petite recette, c'est intéressante à avoir. Qui est relativement rare. Mais ça, je suis passé de l'autre côté, j'ai plus de moyens de revenir. Obligé de faire le tour. Ouais. Ah bravo Super Rico. Ouais, je pense qu'il faut que je fasse le tour par là, parce que sinon ça va pas être possible. Plus je vais avancer ici, plus la crevasse va être énorme. Donc, ouais. Cette fois-ci on s'arrête pas. Bip bip. Ouais. Voilà, là on est du bon côté de la route. Enfin, de la crevasse. Bon allez. Le vent souffle dans les feuilles.
le soleil de plomb. Alors là, on s'approche du camp. Voilà. Fort Triomphe. Génial. Comme ça, on a le circuit Cabestan, Fort de Gué du Nord et Fort Triomphe. Et bientôt le port de Ménétil, je pense. En regardant un peu quand même les quêtes dans le secteur. Ouais. Non, on va tracer. On va tracer. On est attendu là-bas. On est attendu là-bas, donc on trace. Voilà, à un moment donné, il va falloir prendre à gauche. Traverser des espèces de montagnes. Ouais, je pense que ça va être quand même assez dangereux, le marécage d'Aprofrange. J'ai bien peur que le niveau soit assez élevé. On va être vite fixé, hein. Puisqu'on va vraiment le prendre de l'autre côté. Un dernier petit coup d'œil au tarif des amis. On était bien là, c'était l'été et tout. On va changer un tout petit peu d'ambiance, vous allez voir. C'est un peu plus la désolation. C'est pas... Ouais, c'est autre chose. Ouais, il y a eu des cadavres ici. Voyons, elle va être 36 quand même. Ouais, la route va être longue, les amis. Jusqu'au port de Ménétil. Je pense qu'il faut contourner par le nord. Bon, on va voir, on va voir. Moi, écrasez-vous. Ouais, bah écoute, hein. Je vais courir, hein. Allez, on trace. On regarde pas trop en arrière. Des bons petits crocos, là, 37. Ça fait quand même plus 3 niveaux par rapport à nous. Oh, je pense qu'ils sont prenables, hein, mais... Je pense qu'ils sont prenables, mais... C'est un peu le chantier, là. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ressources? Palerette, moustache de Kegdar, c'est un peu... C'est un peu gros pour moi, ça, encore. Un level. Ah, c'est assez joli quand même le... ça, c'est les vilains. Ouais, d'ailleurs on s'est fait... On s'est fait capter. Voilà. Ah mince, j'ai pas l'impression d'aller dans la bonne direction. Bon, au pire, on traversera la nage. Avec toutes les bonnes surprises qu'il peut y avoir.
Avec toutes les bonnes surprises qu'il peut y avoir. Mais bon, je vois qu'il y a des gardes de chez nous sur toute la route. Donc, ah, il y a peut-être un pont alors du coup. Qu'est-ce que c'est ça? Gardien du temps. Ah ouais. Oh, c'est parfait, il y a un pont. C'est génial. Bon, mais finalement, il y aura eu moins d'encombre que... On retrouve quand même un peu de soleil, en plus. Il y aura eu moins d'encombre que prévu. J'ai été pessimiste. Yes, l'île de Terre à mort. Donc encore une ville fortifiée. Le fly, ne pas oublier de prendre le fly. Voilà. Comment allez-vous? On vérifie qu'on a... Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool, ça nous ouvre la voie vers... Ah, dis donc. Ça c'est génial. Parfait. Faites un bon voyage. Farpé. Voilà. C'était un appel aux armes, à faire une espèce de, ouais, de... Appel du héros, pardon. On se voit plus tard. Voilà. Bon vent. On y va. Alors là, on doit trouver des déserteurs agitateurs. Apparemment, c'est là-dedans. Déserteur agitateur. Vous avez besoin de quelque chose? Salutations. Que la journée soit bonne. Allez. C'est parti. Je ne peux pas encore le faire. Et voilà, ça c'est fait. Pas de loot. Pour de loot. Instructrice de monte. Alors, des agitateurs par ici. Bon, on dirait que non. Là, ouais, certainement. Voilà. Comment allez-vous? Faites un bon voyage. Aïe. Trente-cinq quand même, hein, le bon level ça pour XP. Bon level pour XP. Je n'en vois pas par ici. Certainement dans le château, je pense, ou à la tour. Bonjour. On se voit plus tard. Allez. Je ne peux pas l'attaquer. Allez, c'est cassé. Bon, on l'a convaincu sans se battre. Tour Viteuf. A plus. Alors, on va voir si... Ouais, il y a de fortes chances qu'on doive aller dans la tour. Mettre des portails.
Il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Y a-t-il des agitateurs parmi vous? Je vous demande de vous arrêter. Lettre des mages. Bon, il n'y a pas qu'il y ait trop de... Il n'y a pas qu'il y ait trop d'agitateurs. J'y arrive plus à parler. J'y arrive plus à parler. Il n'y a plus trop d'agitateurs. Ah ben mon vélo. Non. Fausse piste, elle. Fausse bonne idée. Fausse bonne idée, la tour. Alors, il n'y a pas repopé, non. Ils se font rares quand même, hein, les agitateurs. Voilà. Ouais, c'est plutôt vers la sortie de la ville, on dirait. Je vous souhaite une bonne journée. Ouais. Voilà, 4. Et normalement 5, avec ou sans fight. Que puis-je pour vous? On se voit plus tard. Et voilà. Bon, mais voilà. Un petit voyage. On a vu du pays. C'est assez joli, je trouve, ici. Petite bourgade. Petit port. L'île de Terre à mort. On a fait une petite quête. Viteuf, c'est vrai. Et surtout, on a trouvé, oui, un fly très très intéressant qui va nous amener un peu partout sur le continent. On se voit plus tard. Voilà, on prend quelques quêtes, les amis. Un plaisir de vous rencontrer. Que la journée soit bonne. On prend quelques quêtes. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la zone? J'ai pas l'impression. Et puis, bah écoutez les amis, hein. Sur ce superbe ciel, hein, avec... avec le soleil un peu voilé quand même, hein. Oh, bijoux, oh, ouais. Allez! C'est sur cette superbe vue qu'on se dit à très bientôt les amis. Merci à vous. À ciao. Heureux. Je viens de me rendre compte que je suis à vraiment mes deux doigts de d'up. Donc ce que je propose, c'est qu'on finisse hein, quand même sur un up. Donc c'est parti. On va aller peut-être se rendre là, parler à Bavs. Sur l'île à l'est de Terramor. Allons-y. Allez. Voilà, comme ça on va XP quand même en direct. Yeah. La tête qui fait toujours. Allez, c'est beau. Bonjour, bonjour, bonjour. Et voilà les amis, niveau 35. Voilà, ça aurait été dommage de s'en priver. Est-ce qu'on peut monter dans le phare? Ce serait trop cool, hein. Je crois qu'il est fermé. Ça serait trop cool, ça aurait été trop cool. Bon, c'est pas grave. Pas grave les amis. On va se remettre en pause zen. Ça fait très longtemps que je me suis pas mis en... Que je vous ai pas dit au revoir en pause zen. Attends. Voilà.
merci à vous les amis. Les commentaires, les petits pouces, les abonnements. Ah, ciao.